sommeil incroyable. Et vous voyez, quand je vous dis que créer des souvenirs seuls, c'est important, c'est dans le sens où maintenant, quand je vais voir un lever de soleil, je vais pas forcément penser à quelqu'un avec qui j'ai partagé ce moment. Je vais seulement penser au fait que le coucher de soleil m'a apporté ce réconfort. Je viens de recevoir un email et je crois que ma commande est arrivée dans un locker, donc il faut que j'aille le chercher. C'est pour ça que je me suis habillée. Au niveau de mon outfit, là j'ai mis une veste qui je ne sais pas d'où elle vient du tout. Avec j'ai mis un petit jean, il me semble, qui vient de chez H&M, il me semble. Et le haut, pareil. Du coup c'est un petit haut manche courte comme ça qui vient de chez H&M. Je suis rentrée, on va pouvoir ouvrir tout ça. Vous savez que je suis fan de bijoux, comme vous pouvez le voir, j'en vois, j'en porte vraiment tout le temps. Quand on achète des bijoux et qu'ils sont pas chers, en général, c'est des bijoux de mauvaise qualité, du toc ou des bijoux qui ne tiennent pas sur la longue durée. Ce qu'il y a dedans, c'est quelque chose qui un peu va nous aider à payer moins cher des bijoux de très bonne qualité. Donc je vais vous montrer, dans tous les cas, on va ouvrir, unboxer et je vais vous expliquer un peu tout au long de ce petit unboxing à quoi en quoi consiste la marque. Il y a pas mal de bijoux, je sais pas, je pense que je vais les sortir un par un. J'ai pris du doré, de l'argenté, il y a pas mal de trucs. On va commencer par ce petit bracelet. Alors voilà le premier bijou, c'est un petit bracelet comme ça qui est resserrable juste ici. Il est vraiment super joli, vraiment je kiffe, les détails ils sont super bien faits, la brillance, mais elle est incroyable, genre vraiment ça brise. Tout ce que je vais vous montrer, toute la sélection du coup que j'ai pris, ce sont des bijoux en acier inoxydable et qui devraient tenir sur le long terme. Je vous ferai un petit update je pense dans d'autres vidéos, mais en tout cas ils m'ont l'air d'être très très quali. Voilà ce que ça donne porté, il est toujours aussi joli, il peut se resserrer là et donc franchement ça je kiffe. Dans le même thème, j'ai pris ce petit bracelet. Pour ce deuxième bracelet, c'est un peu dans le même mood que l'autre bracelet. Et je pense qu'ensemble, ils vont être super jolis. Voilà l'ensemble des deux bijoux. Personnellement, mon préféré, je dirais que c'est plus celui-ci parce que j'adore les petites étoiles. Vraiment, j'aime trop les étoiles. Mais les deux sont vraiment super jolis. Toujours dans l'argenté, j'ai pris une petite bague comme ceci. Toujours en acier inoxydable, elle est juste sublime, elle a une brillance juste incroyable. Et avec le combo des bracelets plus la bague, c'est vraiment magnifique. Ce qui est bien, c'est que derrière, elle est resserrable, donc ça c'est pas mal si jamais vous voulez la mettre dans des doigts différents. Et j'ai pris un petit collier en très fine maille. Voilà à quoi ressemble le petit collier. Les bijoux que j'ai commandés, ils brillent, mais je sais pas si vous voyez à la caméra comment ils brillent. Maintenant, à voir si en fait la brillance tient sur tous les bijoux, mais je pense que ça devrait le faire. Ce collier-ci, je l'ai pris en deux couleurs, du coup je l'ai pris en argenté et en doré ici. Je vais juste vous le sortir pour vous le montrer, mais c'est exactement le même, sauf que les couleurs du coup sont différentes. Pour le doré, il est aussi super joli, toujours aussi brillant. De la même qualité, c'est exactement les mêmes, c'est juste le coloris qui change. Au niveau des colliers, j'en ai pris ensuite un autre et il me semble que c'est les derniers colliers que j'ai pris de la sélection. J'ai pris un petit collier avec écrit juste amour ici. Donc voilà pour le collier, c'est des petites perles échies comme ça. En plus c'est des pierres naturelles, donc vous pouvez voir dans la description il y a écrit c'est des pierres naturelles ou le composant du coup, la matière avec lequel est fait le bijou. Et on peut voir ici que du coup c'est des pierres naturelles et je suis
tellement contente d'avoir pris ce bijou parce que waouh, il est juste incroyable. D'après les informations que j'ai eues, c'est un site où tous les bijoux sont vendus en acier inoxydable. Le prix du coup, comme vous pouvez le voir sur le site, n'hésitez pas à aller le checker. Dans tous les cas, je vous mettrai le lien du site internet en barre d'informations. Si jamais j'ai un code promo, je vous l'afficherai sur l'écran, qui va recevoir tous les nouveaux arrivages et les bijoux invendus d'autres marques. C'est pour ça qu'on a plusieurs marques présentes sur la boutique. Et cette marque, du coup, va revendre les bijoux à petit prix. Ça, quand on est jeune, c'est vraiment pas mal de payer des bijoux pas excessivement chers et qui sont de super bonne qualité en acier inoxydable, parfois plaqué or et plaqué argent. Du coup, voilà mon petit collier. Ça va pas forcément avec mes autres bijoux, mais bon. Du coup, voilà pour le petit collier avec écrit amour que je vais squatter tout cet été. Il me reste 4 articles. On va reprendre avec 2 bijoux comme ceci dorés. On a un premier bracelet comme ça de couleur dorée avec une brillance juste éclatante. Et on a ici une petite pierre naturelle avec des reflets très très jolis. On dirait une sorte de nacre. Et voilà ce que ça donne porté. C'est pas trop gros, je pense que je pourrais très bien le porter avec quelques petites bagues dorées. Là on va passer à mon article préféré je pense de toute la sélection. Donc voici la petite merveille, elle est juste incroyable. Ce bracelet il est incroyable. Que ce soit la manière de le mettre, on a un petit ressort et en fait il se met de devant. Je sais pas si vous voyez. J'espère que ça va pas s'abîmer trop rapidement ce genre de système. Mais ça m'a l'air d'être quelque chose de très quali. Et vraiment le design il est incroyable. Je vous mettrai les prix à l'écran mais il me semble que je l'ai payé 5,99€. Quelque chose comme ça. Voilà ce que ça donne porté. Il est super joli. On va passer au dernier bijou. Et ce sont des petites boucles d'oreilles comme ceci. C'est très vibe chic. Très minimaliste. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et pour finir, j'ai pris une petite boîte comme ça pour ranger les bijoux. Donc comme je vais en vacances, j'ai juste à ranger mes petits bijoux dedans. J'en ai pris qu'une seule parce que je trouvais pas l'utilité d'en avoir plus. Mais j'aime beaucoup le système. Du coup, on a une petite boîte comme ceci. Et en fait, on peut l'enlever. Et du coup, c'est une sorte de couvercle. Et en fait, on ouvre la petite boîte comme ça. En fait, on a 2 fils ici. Et donc voilà, une fois que le bijou est mis dans la boîte, une fois que j'ai rangé le bijou, je vais le remettre dans la boîte et je vais pouvoir le mettre dans mon sac pour partir. Et ça, franchement, j'aime beaucoup. Ça évite de perdre les bijoux. Donc voilà pour ce petit unboxing. J'espère qu'il vous aura plu. Je suis hyper satisfaite de cette petite marque. J'ai beaucoup kiffé les produits et je voulais la remercier pour les bijoux qu'elle m'a envoyés parce que la qualité a l'air juste incroyable. Bien sûr, je vous ferai des petits updates pour vous dire si jamais ça a tenu d'ici quelques semaines. Je vais essayer de me laver les avec les bagues par exemple pour vous montrer l'évolution du coup de ces petits bijoux, mais ça m'a l'air vraiment d'être des bijoux de très très bonne qualité. Voilà, n'hésitez pas à faire des petites commandes, à m'envoyer en photo sur Instagram. Je vous mets mon compte Instagram et son compte Instagram également si vous voulez aller la suivre. Et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de la marque et quel bijou vous avez préféré de la sélection que je vous ai montré. Ok, non, là ça va pas du tout, ma chambre elle est complètement en bazar et j'ai la flemme de ranger. Mais là faut vraiment que je fasse un tri et un rangement, que ce soit de ma coiffeuse, des habits qui traînent, de mon placard, de mes vêtements, de tout ce qui traîne par terre, de tout ce qui peut traîner sur mon bureau vu que là j'ai fini les cours. Je pense que le mieux c'est déjà de se préparer mentalement à être en vacances, c'est-à-dire vider tous mes cahiers, essayer de leur trouver une place, essayer de ranger ce que j'ai reçu il y a pas longtemps et ce qui est posé sur mon bureau. Je vais aussi essayer de nettoyer, de passer l'aspirateur, de nettoyer les vitres, tout ce qui est meubles et aussi les miroirs. Donc je pense que le faire avec vous, ça va être grave motivant et ça va peut-être vous aider tout simplement à vous aussi faire un grand ménage dans votre chambre. Je pense qu'on va commencer par ma coiffeuse parce que c'est la chose qui a le moins besoin d'être rangée parce qu'en soi, il n'y a pas vraiment le bazar. C'est peut-être juste un petit peu dans mon tiroir qui a besoin de faire un petit rangement et aussi par-dessus nettoyer parce qu'il y a un petit peu de poussière. Donc je vais aller ramener le chiffon et les produits, donc tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir nettoyer en superficie et après on rangera les vêtements.
j'ai fini de faire tout ce qu'il y avait au-dessus, donc j'ai bien tout nettoyé. J'avais pas grand-chose à trier, enfin rien à trier. On va faire maintenant le tiroir. Alors j'ai pas mal de choses à faire parce que tout est un peu en bazar, il y a un peu de tout. Je pense que déjà je vais commencer par sortir toutes les caisses une par une et après voir et visualiser tout ce que j'ai. Là j'ai sorti tout ce qu'il y avait dans mon tiroir. Je pense que j'ai pas besoin de trier, il faut juste que je range certaines choses et que je les remette à leur place. Je vais mettre par ici toutes les caisses que j'ai pas forcément besoin. Donc il y a celle-ci. Celle-ci j'ai mis des coques et des petits trucs que je devais donner. Donc je vais les retirer je pense et je vais les ranger dans mon bureau. Et là j'ai des petites friandises et une pochette pour ranger mes bijoux. Sauf que je pense que je vais la mettre autre part. J'ai fini de ranger tout ce qu'il y avait à l'intérieur de ma coiffeuse. C'est beaucoup plus ordonné. Ici, j'ai mis ma crème capillaire, du coup ma crème pour les boucles. Ici, j'ai laissé une petite caisse pour tout ce qui est boîte à bijoux. Ensuite, ici, j'ai des petits produits, tout ce qui est démaquillant, crème pour les mains, déodorant et brume hydratante pour le visage et un petit parfum juste ici. Ici, j'ai mis tout ce qui est hydratant. Donc là, c'est une petite crème pour les boutons d'acné. Ici, on a un petit pot de vaseline, un petit pot de Dove. Et là on a tout ce qui est make-up et baume à lèvres. J'ai laissé aussi tout ce qui est pinceau de maquillage, beauty blender, lime à ongles, crayon à lèvres et bref, tout le maquillage est ici. Ici j'ai laissé un petit bac pour tout ce qui est trousse, donc trousse de toilette. Si j'ai besoin de prendre une trousse de toilette avec moi, ben au moins j'en ai ici. Et une petite trousse pour les bijoux. J'ai aussi mis mon petit roll-on ici parce que je savais pas où est-ce que je pouvais le mettre. Ici j'ai mis une petite boîte avec mes bijoux. Et là une petite boîte de friandises si jamais j'ai faim, je peux venir en chercher ici. Ici on a tout ce qui est élastique et là les pinces. Donc, voici le rendu final de la commode. Je suis assez contente du résultat. C'est beaucoup plus épuré, beaucoup plus propre. Le dessus, bah, c'est resté comme c'est. Et puis maintenant on va s'attaquer au linge qu'il y a ici. Et je vais essayer de finir de ramasser ce qu'il y a par terre. Je viens de finir de tout nettoyer. Merci à Alfred qui a passé l'aspirateur. Oui, il s'appelle comme ça. Voilà, je vais vous faire une sorte de petit mini room tour. J'ai pas eu le temps de ranger mon armoire ni mon bureau. J'ai pas la force, il commence à se faire tard et j'ai envie de me poser, croyez-moi. Au niveau de mon bureau, j'ai rangé, j'ai laissé quelques trucs apparents parce que c'est des choses que je voulais vous montrer parce que Stationery Pal m'avait envoyé des trucs. M'avait envoyé des petits carnets comme ça, mais je vous ferai un petit haul sur TikTok, ne vous inquiétez pas. Donc si vous me suivez toujours pas sur TikTok, je vous mets le petit compte ici. Ils m'ont envoyé un petit planeur comme ça pour m'organiser, ça va être super. Et un autre organisateur comme ça qui va être aussi génial. Après il y a plein d'autres trucs mais bon vous le verrez plus tard. J'ai laissé mon livre et comme d'habitude j'ai passé un petit coup de chiffon pour enlever la poussière. Ensuite on a mon lit, ma table de chevet. Attendez je vais vous montrer parce que c'était un coin hyper sombre et un coin que je supportais pas dans ma chambre. Mais j'ai réussi à le décorer pour l'apprécier. Du coup j'ai mis deux petites images, enfin deux petits carnets comme ça.
avec des petites images pour faire du scrapbooking que j'ai reçu de chez Stationery Pal encore une fois. La petite caisse également de chez Stationery Pal, une petite bougie, un vase avec une fleur et une petite poterie que j'avais fait. Et j'ai rajouté des petites laines. Et attendez, attendez parce que ça s'allume. J'ai mis des petites LED et ça rend trop trop beau, surtout la nuit, c'est trop 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 joli. Franchement, je surkiffe. Et j'en ai mis aussi là-bas, derrière la fenêtre à côté. Du coup, j'en ai mis aussi ici. Bon, elle s'allume par en haut. J'ai un peu la flemme de monter pour l'allumer, mais ça donne le même résultat que l'autre. Il y a ma fenêtre, ma coiffeuse qu'on a rangée tout à l'heure. Et voilà. Franchement, je suis trop contente. Tout est propre. J'ai même nettoyé mon tapis. J'ai vraiment fait ce que je voulais faire pour la grande majorité. Même s'il reste encore ces tiroirs-là à ranger. Et un petit peu de mon placard. Mais ça, je le ferai avec vous dans une prochaine vidéo. Parce que là, je n'ai plus de motivation. Là, je vais faire une petite pause. Je vais un peu jouer à la Switch et me poser.